Bonjour. Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Quand la RDA a découvert Pandora, elle... On ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ah ah, Ré. On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre ? Ah, oui. La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Daylan. Directeur Mercer, nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous ? Ah, oui. Alma. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant quand votre clan vous a abandonné. On vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonné. Built upon its land. Pas de smoke. Tant. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Donne-moi ça. C'était à notre mère, pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Harry, ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné. Menteur. Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Manor. Manor, t'es Angangahu, tam. Sa welunit solanimun. Sa on aofol auna kimulunge. Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Quand tu cries la nuit, Taylan, tu cries en a. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? Le directeur Mercer nous a sauvés. Taylan, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir, ici, sur Pandora. Ah, je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Aounakan et Kelku. Bon travail, Taylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. On les a trouvés. Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée. Et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors. Non, vous nous appartenez. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous ?
Nous vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes Na'vi. Non ! Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Nous avons oublié les mots, mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire, arrêtez de chanter! Allez, on rentre chez nous. Aona Kane Kelku. Je préviens, Harry, pas un pas de plus! Sapu Mataelan. Wenki Vani Kelku. Arrête-toi! Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines? Nor, on en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Et on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège? Cortez, je dois vous parler maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant que ce soit la panique. Quoi? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les navires contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu seras en sécurité. La sœur va nous abandonner? Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Mais, et vous? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord? Je pensais vous avoir perdu, que c'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que t'as dormi longtemps, pendant très longtemps. Wallatikame,
Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie. Non ? Et tu nous as laissés ici. Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu. On ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve vous avait seulement enfermé dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille, ton corps va se réveiller. Est-ce que tout le monde va bien ? Je suis là. Nor et Teylan aussi. Tout va bien. Nous sommes sortis ! Enfin ! Ça arrive pour de vrai ! Nous allons tous sortir ! Ensemble ! Oh, pourquoi tout paraît si différent ici ? On peut se dépêcher ? La RDA approche. Vous bavarderez plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de toutes tes forces. On a trouvé des rations dans la cantine. Il y en a encore. Enfin, je crois. Où est Yefti ? Est-elle ici ? Alma a tous les enfants dans une autre cryochambre ? Ne me touche pas avec ça. Désolé. Mais... Allez, il faut qu'on part ! Qui sont ces gens ? Les hommes de Mercer ? Les enfants, ils sont vivants. Cortez. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. On s'en débarrasse. D'où tu sors ? Par ici. Est-ce que ça va ? Tiens, prends ça. Une radio ? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. Tu n'as pas chômé. Ils te cherchaient, toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite. Attends, quel est ton nom ? Solek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue. Mais en silence. Allez.
Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Tu m'entends? Où sont les autres? Ils ont réussi à sortir? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité? Pour l'instant, je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. Cet endroit est vide, Christophe. Pourquoi ils ont cryogénisé des navires? Arrête de regarder ça. T'as entendu, Harding? Il faut qu'on les retrouve. Attends, t'as entendu ça? Eh oh, les navires! Vous êtes là? On veut juste parler. On a un cadeau pour vous. Ouais, trop bonne idée. Les chefs tiendraient pas deux secondes ici. J'ai eu chaud. La journée est bientôt finie. Pas de quartier! Que personne ne s'échappe! Le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Fais attention. Ne vous pas surprendre. Les nuits sur cette lune, on s'y habitue jamais vraiment. Ils auraient dû mieux nous former sur cet endroit. Plus tu parles, plus j'ai envie de me percer les tympans pour plus longtemps. C'était quoi ça? C'est sans doute rien. C'est bon. Je suis sorti. On a dormi combien de temps? Soleil! Est-ce que tu m'entends? Vous avez quoi, Harding? Oh. Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin! Et regarde où ça l'a menée.
Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Cours ! Est-ce que ça va? C'est pas passé loin. Salt Lake! Encore la RDA. Que s'est-il passé? Par ici, près de l'arbre. Salt Lake! Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Ton chez-toi. Tu m'as sauvé. Tu n'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Il te faut des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Fais confiance à tes sens. Mes sens? Les humains ont besoin de lumière. Mais tu es Navi. Perçois la forêt comme moi. Tu vois? Tu es ici chez toi. La forêt te parlera, si tu l'acceptes.
Laisse tes sens te guider. C'est bon, j'en ai. Maintenant, toi aussi tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal humain. Tu es paré. Nous devons partir d'ici. Tu peux bouger ? Le Dapophet. J'ai besoin d'une cosse de Dapophet. Je vais te trouver ça. T'en fais pas. Sur le rivage, il pousse près de l'eau. Des soldats. Assez pour casser. Sérieux, ils sont immenses. Ils sont passés où ? Restons concentrés. T'as vu celui qui portait un flingue ? Solek, j'ai trouvé le Dapophet. Je reviens. Il y avait plus de soldats. Ne se laissera pas capturer dedans. Tu apprends vite. C'est comme ça qu'on se soigne. Tu n'as pas de collier de vie ? J'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Attends ! Mais je fais quoi maintenant ? Faire. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarento,
Et avant tout, rejoindre la Résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non, non, non! Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. La cascade. La base de la Résistance doit être là-haut.
On n'entend rien du tout, Priya. Désolée, le filtre s'est coincé. Jean pense avoir compris comment régler ça. C'est fou, une nouvelle recrue. Je suis trop contente de te voir parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance. Ouais, je sais. Oel Nyati Kamiye. Quoi? Voilà. Approche. Nous n'aurons pas de... Bon, ça s'est bien passé. Il t'aime bien. Tout va bien. Respire un bon coup. Oh. Ouais. Mais leur traitement est une science à part entière. C'est un vrai défi. Ouais, et sans les transformer en... Je suis si content de te voir. On a entendu les tirs, et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien? Plus ou moins. Solek m'a sauvé. Où sont les autres? Riknela et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacué. J'ai vu les murs s'effondrer. Sur vous. Je vous ai cru mort. Priya a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la tape. Je n'osais pas espérer. Ça fait si longtemps que ça? J'ai l'impression que vous êtes parti hier. C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait presque 16 ans. Quoi? 16 ans? Alma! C'est pas possible! Vous devez comprendre. Vous revoir tous aujourd'hui. Vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure. Je n'ai pas su vous protéger. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute. Prends ton temps. Raj va s'occuper de toi. Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi, ici. Tu verras. Excuse-moi deux secondes. Seize ans. Ça paraît irréel. Ouais, je ne sais pas... Je ne sais pas quoi en penser. Alma a raison. Désolé, j'arrive tout de suite. Ça... ça aligne tout? Non. Ça rend tout? C'est ça, rend tout. Ça... rend tout. Vas-y, réessaye. Il est là-bas. C'est Raj? Il est plutôt cool.
Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. Vous devez être Raj. Non, c'est Rajinder. Oh, désolé. Alma m'a dit... Je connais Alma. Elle m'appelle Raj. Mais toi, je te connais pas. Je suis nouveau. Relax, nouveau. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposé. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? C'est important, le style. Ils agissent comme si Pandora avait des ressources. Épuisable. Elles tiendront... Mais elles n'épuiseront pas de repos tant que la haie. Vous... Je peux vous donner quelque chose en échange ? C'est gratuit. Pour cette fois. Circonstances particulières, bien sûr. En général, on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le-moi. Des vêtements Na'vi. Ils sont étranges, non ? Je crois que je les aime bien. Je veux garder ma casquette. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie ! Tu dois absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques. Ouais, ça fait bizarre d'avoir quitté la tape. Mais tout le monde est très gentil ici. Taylan, toujours dans les parages. Et t'es venu avec un autre Na'vi ? Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration... Et foutre le bordel, si mes réglages sont bons. Tu vois ça ? C'est mon SID. Mon système d'investigation des données. Il est plutôt cool, hein ? Adjir n'aime pas son nom, mais il y connaît rien. J'ai fabriqué ça en pensant au Na'vi. Pour qu'il puisse exploiter les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Et de la tape. Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous. Non ? On pourrait ? Ce serait amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le. J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Tu vois les fils qui passent sous nos pieds ? Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Tu veux essayer ? Ceux qui restent de la RDA ne s'en sortiront pas comme ça. Je devrais peut-être aller fouiner dans ces avant-postes vides. Je suis sûr qu'il y a du bon matériel.
n'auront pas de repos tant que la RDA foulera. Mes données indiquent aussi une panne en haut. Sûrement ce fichu câblage. Tu peux y jeter un œil? L'outil devrait se caler sur la fréquence. Facile. C'est du gâteau. Oh, les gâteaux me manquent. Hey Alex, j'ai trouvé la panne, je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. Tu peux le faire ? C'est bon. Ah ah, tu vois ? C'est utile, non ? Je l'ai dit à Alma. Ça, c'est notre avenir. Je dois dire que j'ai hâte de savoir ce que tu en feras. Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Mais je t'ai donné assez d'instructions. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. Tu viens te ravitailler ? Prends bien soin de toi. J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée. Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Je ne connais même pas leurs noms. Nous les apprendrons. Nous réapprendrons les coutumes Sarentu. Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant ? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt. C'était peut-être dangereux. Ça l'est toujours. Peu importe. On est libre. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. Là, tout de suite. Mais pour aller où ? Là où on le voudra. Tous ensemble. T'en penses quoi ? Toi, moi, Ritnella, Taylan ? On pourrait vivre comme des Sarentu. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler. Comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non ? Ils ont l'air sympas. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Allons voir ce que veut Alma. Peut-être... Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Nor, allez, viens. Tout le monde attend. Ok, ok. Donne-moi une minute. La lumière est différente ici. Je veux en profiter. Après avoir passé autant de temps dans une boîte en métal, au moins ce soir, nous dormirons tous les deux.
John Mercer, fondateur du programme CAP. Les Sarentu le connaissent bien, mais beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu. Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières aux côtés de votre vieille amie de la TAP, la colonelle Angela Harding, comme chef de la sécurité. Il est ambitieux, égoïste, égocentrique. Et vous l'avez aidé? On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant. Quelle différence peut-il faire? Les tactiques de Mercer sont brutales. Ça, plus sa frustration après l'échec de la TAP. Nous devons établir une stratégie. Nos tentatives d'alliance avec les clans voisins n'ont rien donné. Certains Aranahe étaient prêts à se battre. Mais après avoir subi des pertes, ils ont changé d'avis. Nous ne sommes pas allés plus loin avec les Eswa. Ils sont forts, mais ils refusent toute alliance avec les humains. Ton clan abritait des voyageurs, des conteurs, des diplomates. Il était respecté. Les Na'vi t'écouteront. Alma ? On a un pic de pollution pas loin. Genre vraiment tout près. Regarde les niveaux, c'est forcément la RDA. Ils sont là ? Mercer aussi ? Non, pas lui. La pollution provient des engins de la RDA. Ils doivent installer un site de forage classique. Ils lacèrent la terre, l'empoisonnent, la souillent. Ils n'ont jamais été aussi près du QG. S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus. Il va falloir faire profil bas. So, Lek, tu peux établir un périmètre de sécurité ? Anka, essaie de joindre Adjir par radio. Je pourrais saboter le site de forage. J'ai compris comment fonctionne le site. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Laisse-le y aller. Je l'ai vu se battre. Ça va aller. D'accord, mais fais attention à toi. Les autres, préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles. Laissez vos radios allumées. Prudence. Si la RDA te voit sur le site de forage, ils attaqueront. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Prépare tes flèches. Concentre-toi. Il y a des ressources près du sas principal. La RDA est encore là, mais au moins cette foreuse nous emmerdera. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Je ne sais même pas si c'est possible. Tu penses que les gens d'ici vont réussir à me pardonner? J'espère vraiment. Hé, Priya, je suis près du site de forage. Le sol ici est... Chaque fois que la RDA s'installe, c'est la même chose. Leur équipement pollue tout ce qui est autour. Tout. Mais Pandora est forte. Arrête-moi ces foreuses et la nature s'en remettra. Attends, j'étudie les plans. Tu les as ? Avoir bossé à la RDA a ses avantages. Je rigole. Ils sont pas sympas. Ils
équipe de la RDA. Alors, on doit pouvoir saboter le site sans avoir à les affronter, si tu préfères. Sauf s'ils devraient faire, bien sûr.
générateurs et refroidissements agissent. La vanne de purge urgent devrait s'ouvrir au sommet de la foreuse. Une fois ouverte, tire dedans. Faut bien combattre ce feu par le feu. J'ai détruit les foreuses. On est tranquille pour un moment. Alors, on a trouvé quelque chose là-haut. Une sorte de grosse fleur. Les autres sont excités, mais